Salut, je suis Brian. Voici le drum brut Impact. Le nouveau drum brut d'Arturia, totalement analogique. Très simple à utiliser et capable de créer des rythmiques complexes et puissantes. Tout d'abord, écoutons les sons. Le drum brut Impact comprend 64 patterns arrangés en 4 banques de 16 patterns. Vous pouvez commencer l'enregistrement dessus et réécrire en boucle sur chaque pattern. Il y a plusieurs façons d'entrer des pas dans la séquence. La première est de sélectionner l'instrument, dans ce cas le kick, et de choisir les pas où vous voulez que l'instrument soit trigué dans la séquence. Choisissons les pas 1, 5, 9 et 13. Pour ajouter une snare, choisissez le canal de l'instrument snare et entrons les notes de la même façon sur 5 et 13. Une autre façon de programmer des notes est le mode record en faisant du finger drumming. Appuyez sur record et play et jouez vos pas. Vous pouvez activer le métronome. Le roller est aussi un moyen pratique d'entrer des pas. Sélectionnez votre division temporelle, restez appuyé sur le charlet et la division temporelle que vous voulez, et c'est enregistré. Pour changer le tempo, tournez simplement la molette de tempo. Pour régler finement le tempo, maintenez Shift et tournez le tempo. Vous pouvez aussi utiliser le Tap Tempo. Chaque pattern peut avoir son propre tempo. Mais vous pouvez aussi régler un même tempo pour l'ensemble du drum brut, pour tous les patterns et les morceaux. Pour ce faire, maintenez le bouton Shift et appuyez sur le pas 15 pour activer le BPM global. Si vous souhaitez plus de dynamique dans votre performance, il est simple de mettre des accents à certaines notes. Pour ce faire, activez Accent et les notes désirées. Ou, comme pour des pads sensibles à la vélocité, vous pouvez enregistrer la vélocité en mode record. Pour étendre la séquence, appuyez sur Shift et la flèche de droite pour configurer en 32, 48 ou 64 pas. Ceci copiera aussi les pas. Ou, si vous activez Last Step, cela étendra simplement la séquence. Jouez avec vos sons dans le mix. Pour enregistrer ce que vous venez de faire, appuyez sur Save et Pattern. Dans le prochain épisode, nous en verrons plus sur le vrai caractère du drum brut Impact de chez Arturia, en utilisant le contrôle des couleurs et la distorsion, pour vraiment monter d'un niveau.